Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Scobar. Dans cette vidéo, si vous êtes abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et ce que vous regardez cette vidéo. Cette vidéo va vraiment décourager beaucoup de personnes dans l'avortement. Ça va vraiment même décourager beaucoup de personnes de faire certaines pratiques, même de sacrifier des enfants. C'est grave, c'est vraiment grave. Il y a des gens qui font ça pour la richesse, qui sacrifient des bébés. Et le diable aime bien ça. Il aime les gens qui font des sacrifices de bébés. Parce que les gens qui font des sacrifices de bébés, leur enfant qu'ils ont sacrifié là, le diable va utiliser son expérience de vie qu'il devait avoir sur la terre là, dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire qu'il sera dans le monde des ténèbres. Il va grandir dans le monde des ténèbres. Il va même apprendre comment se défendre, comment attaquer et descendre le monde ici pour tourmenter tous les humains. C'est ce que le diable veut. C'est pourquoi il aime que beaucoup de satanistes sacrifient les bébés. Il aime tout de même tous les satanistes qui sacrifient les bébés. Mais ce sont des choses vraiment graves parce qu'il y a une force, une puissance en des bébés que l'homme ne peut pas comprendre. Pourquoi? Pourquoi? Wow, mes frères et sœurs. Pourquoi sacrifier des enfants? Ok, nous progresserons dans le but du sujet avec cette histoire, mes frères et sœurs. Le bébé divin. Le bébé divin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, il y a une puissance dans nos bébés. Une puissance immense dans les enfants, les bébés là, les enfants, les bébés et les enfants. C'est compris entre les deux. Dès que l'enfant naît et lorsque le bébé naît là, et puis l'enfant là, voilà, au milieu là, cette position là, c'est une position trop puissante. C'est-à-dire en ce moment là, l'enfant a une puissance divine et même l'enfant même a des capacités que beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir, même des grandes personnes ne peuvent pas avoir, à condition qu'ils soient des sorciers. Quand le bébé là naît là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Quand il voit que, même quand il est bébé, hein, vous allez me dire que, ah, j'ai déjà vécu ça, c'est vrai. Même quand il est bébé là, et qu'il voit que ses deux parents se querellent ou ne sont pas en joie là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous allez voir qu'il va présenter plusieurs signes. Soit il peut se mettre à pleurer lui aussi ou à tomber malade. Voilà. Comment ça se fait? Comment ça se fait que l'enfant peut ressentir les mêmes ressentis, les mêmes sentiments de ses parents? C'est ça l'enfant divin. Il y a une force, une puissance terrible dans les enfants que l'homme ne peut pas comprendre. Oui? C'est ça. Et ce n'est pas tout. Quand l'enfant là, quand le bébé va grandir là, pour devenir un enfant entre, c'est-à-dire, même au niveau de 3 et 5 ans, même 6 ans là, cet enfant là, il aura l'œil ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant là, à ce moment là, il pourra voir des choses que vous ne pouvez pas voir. Oui, à ce niveau-là, où l'enfant a 3 et 5 ans, même 6 ans, là, l'enfant peut voir des choses que les grandes personnes ne peuvent pas voir. Quelqu'un m'a dit quoi, par exemple? Les esprits, par exemple. Voilà, tu voulais savoir. Les démons. L'enfant, là, peut voir des démons. Même des sorciers qui viennent opérer dans la maison, là. L'enfant, là, il peut voir tous ces sorciers-là, il peut le voir. Clairement. Mais il ne va pas comprendre ce qu'il voit. Pour lui, il va penser que c'est de la rigolade. Pour lui, il va penser que c'est de la plaisanterie. En ce moment-là, cet enfant-là a une puissance terrible que l'homme qui est grand ne peut pas avoir. C'est l'enfant divin. Vous voyez pourquoi les enfants sont divins? Même les mamans, les papas, quelle est la partie que vous appréciez sur votre fille ou bien votre fils?
C'est bien évidemment la partie où il était enfant. Et les parents même aiment présenter ces photos où l'enfant, où il était enfant, il faisait certaines choses. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, le bébé là, l'enfant là, il était divin. Et il avait une puissance en lui. Même Satan est bien conscient de cela. C'est pourquoi nous vous avons dit que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il aime quand les gens sacrifient les bébés. Parce que les bébés, là, ils ont un pouvoir en eux. Je ne parle pas de quand l'enfant a 10 ans ou bien il a 20 ans ou bien. Non, je parle de quand il est bébé, là. Il y a une puissance en lui. Et vous-même, vous allez voir. Vous allez le voir. Tous ces éléments que nous venons de dire précédemment, là. Est-ce que vous n'avez jamais déjà vu ça? Vous vous posez certainement la question de savoir, mais comment est-ce possible que l'enfant réagisse? Quand nous sommes heureux, l'enfant aussi, il est en joie. Waouh! Il y a plein de choses à raconter à ce niveau. La partie où l'enfant naît, il a entre 3 et 5 ans ou 6 ans. Ce n'est pas tout. Voici un témoignage à l'appui. Vous allez comprendre pourquoi nous vous disons ça aujourd'hui. Ce témoignage est le témoignage d'un ex-sataniste. Cet ex-sataniste-là, il a allé très loin dans cette histoire. Il a voulu prendre une autre forme de sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie qui parle. Et cette sorcellerie qui parle, c'est une statue ou une statuette. Cette petite statue-là se transforme en humain et elle peut prendre la forme de tout le monde. Et quand cette statuette-là se transforme en homme, vous savez ce qui se passe. Cette statuette-là sort à ses temps libres, hein, quand elle ne va pas opérer là. Elle sort carrément de la maison. Et vous savez avec qui cette statuette-là, ou encore ce démon-là, aime jouer. Vous savez avec qui? Bien évidemment, elle peut jouer avec des gens qui peuvent la voir. Ou bien, et vous savez c'est qui? Les enfants, mes frères et sœurs, maman, papa, priez pour vos enfants. Il y a un danger qui les guette. Priez. Quand vous êtes enceinte, priez. Même les enfants, dans le ventre déjà là, ont une puissance là-bas. Ils ont une puissance là-bas. Et les satanistes les cherchent comme ça, activement. Ce sont les sacrifices des bébés qu'on observe beaucoup ces temps-ci. Quand ce démon-là, il sort, à ses temps libres, quand il sort, il va jouer avec qui? Avec des enfants. Les enfants de 3 à 5 ans là, qui sont en train de jouer au jouet que vous avez acheté là. Le démon là, il va jouer avec eux. Et les enfants là peuvent le voir. Il peut me prendre même la forme même de ces enfants là, de sorte de ne pas leur faire peur tout simplement. Il peut me faire de la petite magie pour essayer d'attirer leur attention. Et vous savez ce qu'il peut faire également? Hey, vous allez comprendre ça. Est-ce qu'un démon là, il fait le bien? Jamais. Voici ce qui s'est passé un jour avec ce démon. Ce démon là, un jour, a demandé aux enfants là d'aller chez eux et de prendre de la viande pour l'envoyer pour qu'ils mangent. Et bizarrement, les enfants là, ils avaient de la viande chez eux. Ils savent. Les démons savent ce qui se passe chez vous. Tant que vous n'avez pas Jésus, ils savent. Et voici que les enfants là sont allés prendre de la viande et qui sont venus donner à ce démon là. Ce démon là, qui était un enfant comme eux, s'est mis à manger cette viande. Mes frères et sœurs, quand ce démon là va manger de cette viande là, il sera maintenant comment? Difficile pour cette famille d'avoir de la viande chez eux, hein? Parce que c'est comme si c'est une partie de leur richesse qui vient d'être donnée. Au travers de qui? De quelqu'un qui a le même sang que leur enfant. Sans se rendre compte. Mes frères et sœurs, hey, c'est grave. Est-ce que vous saviez certaines choses? Est-ce que vous avez déjà entendu certaines témoignages quelque part? Peut-être. Est-ce que vous savez qu'il y a une force, une puissance dans le bébé que vous tenez en main? Peut-être que vous avez déjà vu des signes, mais vous ne saviez pas que l'enfant que vous tenez en main là, avait autant de puissance. Mon frère, ma soeur, aime ton bébé, aime ton enfant. Si tu es enceinte, ne cherche même pas à avorter. Oh, c'est dangereux. Si tu cherches à avorter,
Un enfant qui a une telle puissance, tu sais ce qui va se passer? Aujourd'hui, là, toutes les personnes qui ont aborté là vont avoir chaud aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Après ça, priez déjà. Quand vous allez avorter là, l'instrument avec lequel vous allez, l'instrument que vous allez prendre pour avorter là, quand l'enfant va mourir, son âme, son esprit va se retrouver où? Dans le monde des ténèbres là-bas. Parce que vous avez rejeté, vous n'avez pas désiré. Et vous savez ce qui va se passer? Les agents du diable vont commencer à travailler avec cet enfant. Ou, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant sera emprisonné dans le monde des ténèbres. Il sera en prison et il va prendre il aura en main le même instrument que vous avez pris pour le tuer. Et à chaque fois, quand les gens vont demander, mais qui t'a mis ici? Qui t'a emprisonné ici? L'enfant va répondre, c'est ma mère qui m'a tué. C'est ma mère qui m'a tué. C'est ma mère qui m'a tué. J'attends qu'elle meure à son tour afin de venir me délivrer. Elle va venir prendre ma place afin de me libérer. Mes frères, ma soeur, mon frère, ma soeur, voici les conséquences de l'avortement, des choses que l'homme ne sait pas. L'enfant qui a un pouvoir, l'enfant qui est divin, qui peut vous faire du bien là, c'est le même enfant là qui peut faire du mal si vous n'entretenez pas bien cet enfant. Si vous ne faites pas connaître cet enfant-là, vous ne faites pas connaître Jésus-Christ à cet enfant, pendant qu'il est enfant, pendant qu'il est là, petit, à un moment donné, cet enfant-là va vous compliquer la vie. Ne soyez pas étonné qu'il y a plusieurs témoignages qui montrent que des enfants ont été initiés. Les enfants ont été initiés. Comment c'est fait? Sachez que quand un enfant est initié à la sorcellerie, là, il est plus puissant qu'un grand. Un grand. Dans la sorcellerie, c'est comme ça. Et en plus de ça, si cet enfant-là, c'est une fille. Ah là 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 là. Sa puissance sera multipliée par deux. Ça veut dire que son pouvoir de destruction là sera tel que elle pourra détruire en un instant la famille s'il n'y a pas Jésus-Christ là-bas. Ouh. L'enfant divin là, l'enfant que Dieu a créé qui est divin là, peut se retourner contre nous quand on ne l'apprend pas à faire le bien. À son jeune âge, quand on ne nous montre pas le Seigneur Jésus-Christ, on ne nous montre pas le bon chemin. Et si l'enfant grandit comme ça, l'enfant qui est censé être un bonheur pour vous, là, il va être un danger, il va faire l'objet de votre peur. Il fera l'objet de votre peur. Voici une famille qui a donné de bons conseils à ses enfants, à leur fille. Mais sa fille a désobéi à ses conseils, malheureusement. Et elle est sortie, elle allait à une fête. Au retour de cette fête-là, deux démons qui erraient, qui cherchaient un corps où entrer, sont apparus là et sont entrés dans la jeune fille. La fille qui est censée être une fille est devenue comment? Une fille avec des deux démons. Et elle parlait comme un homme ou deux hommes en même temps. Elle a tourmenté cette famille pendant plusieurs jours. C'est un témoignage que nous avons raconté que c'est tout signe ce bon. Jetez un coup d'œil dessus. Ce témoignage est tellement long qu'on a fait en deux parties. Elle a tourmenté cette famille-là pendant combien de temps? Toutes les personnes qui sont les choisies, prendre même pour venir essayer de la délivrer là, ça n'a pas marché. C'est au dernier moment, sur le point de nom de Dieu, pour venir faire la délivrance de cette fille. Mais cet homme de Dieu a perdu dans ce combat sa propre fille et sa femme dans l'accident. Heureusement que cet homme de Dieu-là, il était persévérant jusqu'à la fin, il n'a pas abandonné. Et c'est là Dieu lui-même est intervenu et il a gagné ce combat. La fille a été délivrée. Quand la fille a été délivrée, là, vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. Elle-même, elle ne savait même pas où elle s'est trouvée. Elle était épuisée après de longtemps de souffrance parce que son âme était emprisonnée maintenant dans le monde des ténèbres. Les enfants sont très précieux aux yeux de Dieu. Pourquoi Dieu dit que celui qui veut entrer dans le royaume de ceux-là, il doit faire comme les enfants? Pourquoi? Posez-vous la question. C'est parce que il y a un pouvoir dans les enfants. Il y a un pouvoir dedans.
Il y a quelque chose de divin. L'enfant divin. Même aujourd'hui, à 2 ans, on initie les enfants. Même dans le ventre, on initie les enfants aujourd'hui. Le diable initie les enfants à la sorcellerie. Vous voyez que l'enfant là, il est dans le ventre, mais il sort. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé Kirikou. Vous avez vu ce que le pouvoir que Kirikou avait là. Vous pensez que les satanistes, vous pensez que ceux qui ont fait le film là, où ils ont tiré cette inspiration? Posez-vous la question de savoir pourquoi cet enfant là est si étrangissime. Vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez que c'est un hasard? Pourquoi le diable travaille-t-il sérieusement contre nos enfants? Les dessins animés, pourquoi il y a des messages cachés? Il y a des symboles occultes dans beaucoup de dessins animés aujourd'hui. Posez-vous la question, quelle est la cible? Quelle est la cible? Les enfants. Le diable travaille dur contre nous. Le diable travaille sérieusement contre nos enfants. Et il fallait que quelqu'un vous révèle ces choses. Quelqu'un vous ouvre vos yeux sur cela. Tu vas à l'église, tu vois les parents, ils vont à l'église. Hein? Ce sont eux qu'on évangélise toujours. Les enfants là, eux, ils restent dehors, ils sentent s'amuser. Hey! Tu ne sais pas que l'âme de ton enfant là a la même valeur que ton âme. Si tu ne t'occupes pas de ton enfant et qu'il meurt dans ça, il est initié, Dieu va te demander des comptes. Pourquoi tu ne t'es pas bien occupé de tes enfants? Pourquoi les enfants ont une valeur? Les hommes de Dieu, aujourd'hui, c'était si les hommes de Dieu, regardez, partagez cette vidéo à tous les hommes de Dieu même. Les hommes de Dieu qui négligent ce cas-là, c'est-à-dire les enfants, l'éducation des enfants à l'église. Quand on est à l'église, là, les enfants sont en train de s'amuser. Peut-être que les enfants sont en train de s'amuser dehors. Là. Vous savez ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous savez ce qui se passe? On n'éduque plus les enfants. Aujourd'hui, là, c'est la télévision là, qui éduque nos enfants aujourd'hui. C'est la télévision qui va apprendre à ton enfant comment il faut marcher, comment il faut parler. La télévision va te dire qu'il faut être arrogant. On trouve toutes ces choses où dans les dessins animés. Et beaucoup de dessins animés qui apparaissent aujourd'hui là. On parle dans les dessins animés, on parle de quoi? En général. La magie, tu as trouvé. La magie. Est-ce que la magie là, c'est une bonne chose? La magie, est-ce que c'est une bonne chose? La magie vient de Satan. La magie vient du diable. Est-ce que c'est une bonne chose? Posez-vous des questions, et des vraies questions. Pourquoi le diable travaille nuit et jour pour endoctriner nos enfants? Pourquoi? 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 Parce que l'enfant est divin. La partie où le bébé, là, il a 3 ans, là, il a 6 ans, là, jusqu'à monter à 20, 18 ans. Là. Tout ce que tu vas dire à l'enfant, là, c'est sur ça qu'il va marcher jusqu'à même qu'il va grandir. C'est comme si l'enfant devenait le père de l'homme. Si tu as mal éduqué l'enfant pendant qu'il est bébé là, il va grandir avec ça, il aura des traumatismes. Tant qu'il n'a pas rencontré quelque chose qui va bouleverser sa vie, il aura des traumatismes, il va grandir avec. Et ce que l'enfant a duré pendant qu'il était bébé là, pendant qu'il était enfant, ce que tu as dû faire en durant l'enfant, si tu frappais l'enfant tous les jours là, quand il va grandir là, même s'il est devenu adulte, lui aussi là, quand il aura des enfants, il va aussi faire la même chose que toi. Lui aussi, il va frapper des enfants. Il va faire exactement, exactly, ce que tu faisais là. C'est exactement ça que l'enfant va faire. C'est parce que l'enfant est divin. Tu dois instruire l'enfant selon la parole de Dieu. Mais si toi-même, tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas Jésus, comment tu vas instruire l'enfant? Bon, c'est encore une autre histoire que je vais ajouter aujourd'hui là. Nous allons nous attaquer aux enfants aujourd'hui. Nous allons aider les enfants. Nous allons toucher le cas des enfants là. Voici un problème qui est arrivé. Une maman, elle passait tout son temps à faire porter des pantalons sexy, des vêtements sexy à ses enfants. Elle laissait même ses enfants regarder n'importe quoi à la télévision. Elle permettait à ses enfants de faire beaucoup de choses qui ne glorifient même pas Dieu. Et voici qu'un jour, la mère et ses deux filles vont sortir.
et avoir un accident. Et les trois vont se retrouver où? À l'enfer. Arrivé à l'enfer là, vous savez ce qui s'est passé là-bas? Voici la torture qui était réservée à la mère. Pendant que les trois sont dans l'enfer, voici les deux filles, l'une à gauche, l'autre à droite, et les deux sont en train de parler à la mère. Pourquoi tu ne nous as pas dit que Jésus existe? Pourquoi tu ne nous as pas prêché la vérité sur l'évangile? Pourquoi tu ne nous as pas dit que Dieu existe? Pourquoi tu ne nous as pas dit que Jésus existe? Pourquoi tu ne nous as pas dit? Pourquoi c'est à cause de toi que nous sommes ici? C'est à cause de toi que nous sommes ici. Matin, midi, soir. D'éternité à l'éternité, cette femme est condamnée à entendre ses enfants répéter la même chose. Répéter la même chose à longueur de journée pendant qu'ils sont où? À l'enfer, dans le feu, en train d'être tourmentés et des démons aussi qui sont venus frapper. Mes frères et sœurs, ce cas des enfants-là, ça va bien au-delà de cette vidéo. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous à cette vidéo. Activez la cloche et nous en parlerons. Nous avons beaucoup parlé des choses, beaucoup parlé de certaines choses, mais le cas des enfants, on ne l'a pas touché. C'est la première vidéo où nous parlons sérieusement des enfants. Mes frères et sœurs, les enfants sont divins. Ils sont divins. Si un seul enfant est initié dans la famille, c'est un problème pour le père. C'est un problème pour la mère. Parce que cet enfant-là, il aura une puissance dans le monde des ténèbres qui va détruire la famille. La preuve en est même. Est-ce que vous pouvez croire au fait que les enfants de 2 ans peuvent être initiés à la sorcellerie? Est-ce que vous pouvez croire à ça? Même quand vous voyez votre enfant, tellement il est beau, comme il est blanc, les gens disent que les blancs ne peuvent pas être sorciers. Amuse-toi. Hey! Comme ton enfant est beau et que tu l'aimes, là, tu ne peux pas t'imaginer que cet enfant-là est un sorcier. Tu peux pas. Comme tu ne sais pas là, le diable va bien l'utiliser pour te causer des problèmes. Hey! À ce moment-là, tu vas dire que tu avais entendu un jour un témoignage de ces gens, tu n'y en serais pas et que tu as négligé. Tu te souviendras de moi un jour. Mes frères et sœurs, c'est grave tout ce dont nous sommes en train de vous dire et le problème des enfants revient encore ici. Soyez prêts pour la prochaine vidéo qui va sans doute vous intéresser. Waouh, que Jésus vous garde. Que Jésus soit dans votre maison. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ, premièrement. Voici ce que vous devez faire. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ, premièrement. Toi le Père, toi la Mère, là. Ne discute plus beaucoup. C'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus-Christ ou dans ta vie. Premier cas, maman, papa, accepte Jésus-Christ. Veille à ce que l'enfant là s'attache à Dieu. Fais connaître à l'enfant Jésus-Christ, le bon chemin pendant qu'il est enfant. Ainsi, quand il deviendra grand, là, il ne va pas oublier ce chemin-là. Et il faut amener l'enfant de force même à aimer Dieu. Ainsi, tu vas sauver son âme. C'est plus tard, il va dire, mon papa avait raison quand il me disait que Jésus est Seigneur et que je devais avoir Jésus-Christ dans ma vie. Apprends l'enfant à crier Jésus-Christ. À dire à l'enfant que Jésus-Christ est ton sauveur. Quand tu es en danger, quel que soit le danger que tu traverses, crie Jésus, appelle Jésus, il va venir. Jésus est plus fort que nous qui sommes tes parents. Lui, il pourra te délivrer des choses même auxquelles nous-mêmes, on ne peut même pas t'aider. Jésus peut t'aider. Ainsi, quand l'enfant sera à l'école, et que le sorcier tentera de l'initier, il invoquera Jésus-Christ. Même dans son sommeil, il invoquera le Seigneur Jésus-Christ qui viendra à son secours. C'est pourquoi nous sommes là. Une fois que tu donnes de telles informations à l'enfant, l'enfant pourra se nourrir de ces informations. Et surtout que tu es le père, tu es la mère, il t'aime beaucoup là. Il fera ce que tu dis. Ça va lui sauver la vie au moment où tu ne seras pas là. Tu ne seras pas toujours là auprès de l'enfant. Tu as mis des gens pour sauver l'enfant. Tu as mis beaucoup de personnes autour de l'enfant, mais un jour où tu ne seras pas là, l'enfant sera seul. Comment l'enfant va se défendre? C'est le nom de Jésus-Christ qui va invoquer, qui va veiller sur l'enfant. Et les sacrifices que tu fais à l'église, les dons, les offrandes, tu fais, tu aides les pauvres, Dieu aura sa main sur ton enfant. Voici une histoire que je vais vous raconter pour terminer. Franchement, il faut qu'on vous dise ces choses. Voici une famille qui a rendu un témoignage. Eux-mêmes, ils ne savent pas même. C'est un sataniste qui a rendu ce témoignage à leur place.
Cette famille un jour à l'église a fait une paire de chaussures à l'homme de Dieu. Une belle paire de chaussures, une paire de chaussures très jolie. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Quelques jours plus tard, le démon, ou encore les satanistes de le monde éternel, avec les démons, ont fait des réunions pour descendre dans une école pour initier des enfants. Quand ils sont descendus de cette école-là, ils ont réussi à initier tous les enfants, sauf l'enfant de cette famille. Pourquoi? Parce que ses parents venaient de faire un sacrifice à Dieu et Dieu maintenant avait mis sa main sur l'enfant et protégé l'enfant. Hey! Quand ils ont vu ça, ils se sont intéressés à pourquoi ils n'ont pas pu initier l'enfant et ils ont découvert ça. Ils se sont aussi mis à combattre la famille. Mais Dieu est intervenu à chaque fois. Vous avez vu? Vous voyez ce que ça veut dire? Le diable attaque sérieusement nos enfants. Et nous avons besoin d'apprendre l'enfant à connaître Dieu et de dire ce qu'il faut à l'enfant. Tout le jour de votre vie. Tout le jour de votre vie. Dites à l'enfant. Montrez à l'enfant le beau chemin. Dites à l'enfant, Jésus est Seigneur. Dites à l'enfant, Jésus est Seigneur. L'enfant te ressemble, tu l'aimes. Si tu l'aimes bien, montre-lui le bon chemin. Si tu l'aimes bien là, ne le laisse pas s'habiller n'importe comment. Ne le laisse pas faire des choses qui ne sont pas bonnes. Attention. Même la musique. L'enfant ne doit pas écouter n'importe quelle musique. Tu ne dois pas permettre à l'enfant d'écouter n'importe quelle musique. Aujourd'hui là, le diable se trouve où? Le diable se trouve dans la musique. Les démons se trouvent où? Dans la musique que nous écoutons. Quand l'enfant vient à la maison et qu'il écoute la musique qui n'est pas de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Les démons de cette musique-là vont entrer maintenant où? Dans la maison. Ils vont entrer dans la maison pour tourmenter la famille. Voici encore des voies par lesquelles les démons entrent facilement. Est-ce que vous saviez ça? Assurément. Mais vous avez négligé. Nous venons encore vous rappeler que toutes ces choses que vous avez entendues sont vraies. Il y a des choses graves qui se passent dans ce monde que vous ignorez. Cette vidéo, franchement, je pense que c'est la première partie. Nous allons faire encore une autre partie sur les enfants. Nous allons maintenant vous attaquer aux enfants. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, abonnez-vous à cette vidéo, activez la cloche, acceptez le Seigneur Jésus-Christ, commencez à mettre en pratique tous les conseils que nous vous avons donnés aujourd'hui pour préserver la vie de nos enfants. Car les enfants, c'est notre devenir, c'est notre avenir, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir du peuple. Je compte sur vous. Je compte sur toi, papa. Je compte sur vous pour vous abonner et pour donner de bons conseils à vos enfants. C'est parti. Jésus.